c'est l'origine du caoutchouc là. Donc en fait le caoutchouc il arrive comme ça, hein, en balle. Donc le caoutchouc, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors dans un cahier, il y a des tiges, et les tiges, alors en l'occurrence là, et dans chaque, entre chaque feuille de tissu, il y a une feuille de caoutchouc. A besoin pour les nouvelles de bottes. Là en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le pare-pierre. Ouais, tu papa. Ici ils font jusqu'à du 51. Ah bon? En pointure. Ah, trop fort. Alors nous on n'utilise qu'un cuir. On utilise le cuir de vache. Avant on prenait le cochon, mais on n'utilise plus le cochon, on prend que de la vache. Un petit peu de noir pour le faire pour la faire un peu plus d'or. C'est du synthétique ça. Ça non, c'est du poil coton. Poil coton, c'est la capsule de Jersey. Pardon. Sur une paire de bottes, il y a plusieurs morceaux, donc ça rajoute de l'épaisseur. On ne peut pas qu'on fasse des bottes qui fassent 5 kg non plus. Donc.
Donc suivant les dessins, suivant les pièces, on détermine une épaisseur. D'accord. Suivant aussi la botte, si c'est une botte qui doit être de travail, donc robuste, forcément ça va être plus épais. Si c'est une botte de loisir pour aller mettre comme ça en balade, ça va être moins épais. Voilà, il y a aussi le côté... Il y a un chauffage au-dessus. Donc en l'occurrence, c'est du cuir, ça cuit à 110. De pêche, ça. 110 110 degrés. Et là, vous allez voir le déformage. Ben, parce que si on ne les cuit pas, si le caoutchouc reste cru, on va pas aller. Rien ne va se tenir, donc on les cuit. Et la cuisson, en fait, c'est ce qui va faire les soudures de toutes les pièces. Hein? Comme on a mis du latex partout, eh ben, à chauffer, ça va se souder. Pas du rose par hasard Je ne crois pas qu'on en fasse en ce moment. Non, parce qu'on ne fait pas de rose en ce moment.